prochain, c'est nous tous. Les gars derrière. On a que des bâtons. Recule. Je reviendrai de pousser. Moussaillon, allons-y, charge. Chasser. Les enfants, Tori, tu parlais pas comme ça. Mais je parle. Tu parlais comme ça. Non, 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 non. Le premier bâtiment construit de la Castellane et elle était détruite. En 2015. Tout le monde, qu'est-ce que tu dis ? C'était en 2020 et maintenant tout le monde est triste que la tour. Tout le monde est dégoûté que la tour ait été détruite parce que c'était l'ancienne bâtiment. Et en plus, quand je traversais la tourka, elle était encore là et je voyais des gens sortir avec des bagages et tout. J'en connais une, elle est dans sa classe, elle s'appelle Kélia, sa mère, je l'ai vue. Après, ils ont déménagé vers les Ambrelles. Là, on va interviewer les gens de la Castellane. On y va, let's go. Est-ce que t'es dégoûté que la tourka elle est détruite? Ben oui, t'as cru quoi? Coupe là. C'est pas ma meilleure place. En vrai. Oui. Y'a pas oui. En vrai. Mais. Oh, push, on regarde TikTok. Allez. TikTok. Est-ce que la tourka t'es dégoûté qu'elle est détruite? Pas du tout. Oui. Là-bas, il y a les mamans, là-bas, il y a le rang blanc, là-bas, il y a quelqu'un. Il y a des voitures, il y a. Là-bas, il y a le truc de sport. Là, il y a des pierres, je monte tous les jours et je me fais mal. Là-bas, il y a le boss, là-bas, il y a la route, là-bas, il y a la maison hantée, là-bas, il y a les maisons. Non. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est pour quoi faire ça? Pour ça. Pour vous mouiller, mais pas pour boire, hein? Oui. On est d'accord? Oui. Parce que là. Là, c'est comme ça. Et dans un mois, deux mois, trois mois, tu verras que ça commence à pousser. Ça, il commence à sortir des petites fraises. Là, il commence à sortir des petites fraises. Après, derrière, tu vois, c'est les fèves. Non, ça ne veut pas le courant. On l'a bougé, il n'y a pas de l'eau dedans. Ça ne veut pas. Sophie, il n'y a plus d'eau pression. La petite caméra photo, tu retiens un mètre en carré. Appuie. Moi, je veux pas le ramadan. Ah, tu peux me donner son téléphone vite fait. C'était trop cool quand je dessine avec Benyounes et Amine et Lina et aussi Jade. C'était trop cool le moment. Et Samira aussi. Et aussi, j'aime bien quand j'ai vu les dessins de Younes. C'était trop cool. Et il prend son temps pour dessiner et tout. Et c'est tout. J'étais trop contente aujourd'hui. C'était bon. J'ai décidé de faire des portraits des gens parce que je voulais voir s'il appréciait mes dessins. Après, plus je suis dans une nouvelle classe, plus mes dessins s'améliorent et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des portraits de visages. Merci. Du coup, si ça te dit de dessiner aussi avec nous pour mettre les dessins dans le livre, pour raconter les journées, ce serait trop beau. Et en fait, ce qui serait trop beau, c'est qu'on a tous des dessins complètement différents. Par exemple, Adir aussi, elle dessine. Moi, je dessine. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui dessinent, qui ont mis leurs dessins dans le carnet. Et plus on est nombreux, plus il y a des dessins différents et plus c'est riche, plus c'est beau. Du coup, voilà, je te le dis, si ça t'intéresse, si ça te dit, on pourrait le faire ensemble. Moi, je suis trop contente qu'Adir soit là.
Moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Sur moi, fais sur toi. Mais c'est ma feuille. Prenez entre photos. Moi, qu'est-ce que j'aime à la Castée, c'est que tout le monde est heureux. Tu en fais quoi, toi? Que tout le monde est heureux, aussi que aussi il y a plusieurs gens qui parlent à d'autres gens, il y en a qui parlent loin, il y en a qui sont timides, il y en a qui viennent à chaque fois qu'il y a des nouveaux, ben on les accueille bien. Qu'est-ce que... Ouais. 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 Des moments, moi je vous ai dit que je pouvais plus, j'ai tendu beaucoup l'oreille, j'ai essayé de faire de la reformulation avec vous, mais là moi je suis fatiguée parce que j'ai l'impression que ça vous n'entendez pas. Par contre, de ça, il en ressort quelque chose que je trouve assez génial, c'est que j'ai découvert que Sofiane, en fait, il avait des grandes qualités pour être médiateur. Et moi, j'avais envie de proposer au groupe, on pourra en parler ensemble, qu'on se nomme, et ça peut changer, ça peut tourner, qu'on nomme peut-être deux médiateurs. Et quand il y a des conflits, on sait que eux, ces enfants-là, ils ont ces compétences, ces savoirs-là pour nous aider quand il y a des conflits. Et moi, j'ai envie de proposer Sofiane. Et si c'est bien, je m'étais dit, j'ai envie de te proposer ça, j'ai l'impression que peut-être ce n'est pas une obligation. Bah nous aider, nous on le fait, les adultes, mais ça pourrait être bien aussi que les enfants, vous ayez un peu ce rôle-là. C'est la petite mélodie, là, qui se met là-bas, il se voit, il commence à se disputer. Ben, bah, il est puni là-bas, il est puni là-bas. Ah. Le médiateur, il y a Claude, Célia et Sofiane. Ah, je vais te citer. Je sais pas du coup si je suis médiateur ou pas. Oui, si, moi je crois que t'as été. On est d'accord, c'est Célia qui est médiatrice. Oui. 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 Non, oui. Arrête, Jérôme. Non. Ça, c'est une bonne décision, on a avancé aujourd'hui. Ok. Madame la présidente, est-ce que vous pouvez fermer le conseil? Non, on avait dit d'aller. Madame la présidente, est-ce que vous voulez bien fermer le conseil? Mais on veut pas. Je vais faire le conseil. Mais comment on fait? Là, il y a un autre. Ben c'est bon, après tu mets de la ficelle. Walid, regarde. Non, juste chercher un truc. Plusieurs milliards d'espèces. Elles sont le plus répandues sur Terre. Là, on voit les petites ouvrières. Là, on a les gardes. Ah, non. Une longue tête. Bon, ici, il y a beaucoup de beaux dessins et des dessins comme ça. Genre, il y a des. Tout le monde prend le même cahier. On ne dit pas c'est son cahier. Bon, là, il prend n'importe quoi. Là, il s'écrit. Là, c'est. Par exemple, les grands, quand ils ont rien à faire, ils dessinent eux. Là aussi, c'est les tatas. Ça, c'est les tatas. Ça, c'est Ala, je crois. Ça, c'est les dames. Le mien, je sais pas où. Ça, c'est les grandes personnes. Quand ils... Le mien, je sais pas. Ouais, bon, voilà, ils font des dessins comme ça.
Et moi, du coup, dans tout ça, ben, je retrouve pas le mien. Moi, c'est le nez. T'as compris? Ça, c'est la boue. Moi, quand je dessine, ben, je fais au hasard. Je fais un trait, après je fais. Ah, ça, c'est moi. Avant, je m'en rappelle très bien. C'était il y a longtemps. J'avais pris le cahier et j'avais dessiné ça. Après, j'avais dessiné une pivoine, une tulipe et voilà. C'est bon? Mais... j'en peux plus. Mais c'est quoi? T'es rentré quand en Italie? T'es rentré quand? Moi, j'ai... Toi, j'ai... Vas-y, non, après, après. On va se donner rien. Moi, c'est Elsa. Et je suis contente d'être ici. Attends, pas, pardon, pas. Comme il est passé, j'ai pas entendu ton prénom. Yes. Jade. Merci, Jade. Moi, c'est Jade. Appelle des quoi d'autre on aurait besoin pour faire un film. Mais là déjà je vois des choses intéressantes qui ressortent. Donc là on a parlé par exemple des déguisements, voilà. Peut-être qu'on pourrait faire une sorte de balade déguisée. J'ai trouvé que c'était une belle journée. On a fait une très très grande peinture. On a fait une très grande peinture tous ensemble. Je crois que tout le monde a participé à la peinture aujourd'hui qu'on a accrochée. Ça, c'est la bonne. Et moi, c'est clair que c'est donc la mortelle de ces élèves. Et j'aime particulièrement les histoires de Pierre-Marc. Dans le livre, il y a l'histoire Et il enfla tant et tant qu'à la fin il éclata de colère, explosant en petits morceaux qui s'envolèrent dans tous les sens. En dessous, sous la peau du vilain monstre poilu, apparut le petit garçon le plus mignon qu'on eut jamais vu. Je suis le prince charmant, poil ou dents, déclara-t-il avec un beau sourire. Tu m'as défilé, tu m'as délivré, poil au nez, des mauvais sorts, poil au corps qui me retenaient. Prisonnier, poil au pied depuis des années, poil au nez, merci. Mais là, il manque un bonbon, regarde, Francesca. Oui, il en manque encore, hein, je suis d'accord avec toi. Mais non, c'est bon, regarde, c'est ce qu'on a fait. Moi, je suis pas très bon, moi, je ne mettais rien encore. Hein. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est les plus résistants. Non, mais t'as pourquoi? Faut que ça sèche. Ça sèche. Ouais. Tout ça, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là? En vrai j'aime bien, c'est comme si quand j'étais chez ma mère, ben il y avait un grand terrain, ben c'est comme pareil, mais comme si c'était un grand parc, mais j'aime bien, donc j'aime bien voilà. Je m'appelle Madame la Chaussette.
Est-ce que tu aimes bien être mon ami? Oui. Moi, je suis monsieur le ciseau. Monsieur le continue. Et là, pour annuler, pour arrêter, j'appuie. On a mis de la colle, du charbon, de l'eau, du charbon bleu, du savon bleu, de l'eau. Après, on a mélangé, après, on a remis du charbon. On a mis du savon bleu, du charbon bleu aussi. Et après, en fait, ça va faire comme une genre de colle. Et on va l'utiliser pour faire avec les bambous et les coller par terre. Oui, les coller par terre bien. Oh, c'est bon, je fais du slime. Moi aussi, je vais faire ça, ce qu'il fait. Je fais du slime. Moi, je fais du slime. Il y a quoi dedans? Fais du slime. C'est pour coller, c'est ça, avec Soriane? Oui. Oh, galou. Ah, Soriane. Lève-toi. Je fais la teinture. Attends, je l'ai pas. Vas-y. Non, mais vite, prends le couille. J'arrive pas à cailler. Bon, moi je n'attends pas le feu. Regarde, Célia. Tu commences, tu le fais, tu tournes, tac, après tu prends ça, tu la mets. Dedans, hein, et tu tires. Voilà, c'est bon. De la Castella, mais on va pas loin. Et on va dans un... Ah bah oui, mais alors, on va on va pas loin, dans une colline, oui, on grimpe une colline, qui est pas loin. On va voir le vertige. Et on s'est dit que, la dernière fois, on s'est dit qu'est-ce qu'on faisait pendant la sortie. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on avait dit? On va faire du cinéma, ouais. Tous les déguisements qu'on s'est fabriqués, on va les emporter avec nous, et on demande à tout le monde, même nous, chacun va ramener un objet un peu fou. Un peu loufoque, un peu bizarre. Loufoque. Moi, il est des costumes. On va se déguiser. Ouais. Les garçons en costume. Et les filles, je sais pas quoi. Je sais même pas quoi les filles. Bah, en costume aussi. Les garçons. Est-ce qu'on est obligé de faire de garçons et filles? Mariage. Marianne, mariage, comme vous voulez. Donc, en tout cas, des habits bizarres, des baskets, des casquettes. Et une gourde d'eau. Et vous allez venir quand? À quelle heure? 10h. À 10h. Attends, vous êtes là. Il y a 10h qu'il est là. Non, présentement. Bah, l'idéal, ça c'est les 10h15. Non, mais c'est bon. Vas-y. Donc, vous venez directement avec les papiers de main. Vous l'avez dit. On va pas se déguiser devant tout le monde, on va passer pour des cons. Et là, tu vois, on va pas se déguiser comme des cons dans la ville. Non, qu'est-ce que tu dis, lui? Il dit l'inverse. On va pas se déguiser. On va pas se déguiser de quand on marche dans la rue, on va passer pour des cons. Il va dire c'est pas le carnaval. Mais vas-y, c'est pas le carnaval, justement, on rentre dans les personnages aujourd'hui. Oui, mais les gens vont dire quoi, c'est quoi Bah, ils vont se dire, ah, lui, c'est le monsieur riche aux bananes. Ah là, quoi. C'est lui, là. Il y a un peu de chaud.
et on va au cinéma. Ah bah oui, tu vois. Mais c'est les marques pour moi, dis des poupées. Ah ben toi, Julie. Non mais toi, t'as cru qu'on avait de l'argent, quoi. Julie. Qui paye les billets, là? C'est toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu peux pas. C'est un presque cinéma. Qu'on va aller chercher a été détruit. En fait, vous savez que la Castellane et tout notre quartier, le sol, c'est quoi le sol? C'est de l'argile. On est un pays. Le quartier, c'est un pays d'argile. On est sur un basin d'argile. C'est la terre sur laquelle on habite, c'est la terre sur laquelle on a construit les maisons. Il y a des gens qui ont fait un peu des calculs et tout pour voir si la terre elle pouvait tenir. Et puis ils ont dit mais non, ça peut pas tenir. Un centre commercial c'est trop gros, c'est trop lourd, ça peut pas tenir. Et au bout du compte, il y a un bout du centre commercial qui est tombé. Pas longtemps après l'ouverture, à l'époque on disait pas grand littoral, on disait continent.
Ah oui, oui, c'est vrai. Et continent, il y a un bout de continent. C'est alors, quoi, c'est quoi un continent? Là, c'est un bout de continent. Voilà. C'est un bout de continent, c'est une plaque. Une plaque continentale qui s'est décrochée. Et là où on est, en fait, il y a eu ce qu'on appelle des effondrements de terrain. Et donc, du coup, quand il y a eu tous ces travaux-là, ils ont fait des petites maisons pour ces gens-là. Et ça s'appelle toujours la Lorette. Aujourd'hui, les petites maisons qui sont là-haut, elles continuent à s'appeler comme ça. Et la plupart des familles qui y vivent, c'était les familles qui travaillaient dans les tuileries de cette carrière d'argile et qui habitaient dans le bidonville. Et elles ont en partie été relogées à la Castellane et en partie un peu à la Bricarde et dans les petites maisons qu'on va traverser. Au bled, il y a ça là, Tabra. Ils sont pas nuls. La petite mère, il y en a 15 000. Allez, on court. Francesca, elle est là. Ah oui, il est là, vous avez pris les photos avec. Après les vertuits, on n'est pas trop loin, j'étais pas assez loin, j'ai entendu parler mieux. Mais les vertuits, les gardiens sont des murs avec ça. Hollywood. Donc on est vraiment dans une affaire de c'est pourquoi tu s'envoles de fiction. Ah, c'est toi.